Bonjour. Dans la dernière vidéo, je vous avais fait une petite analyse de quelques volontaires pour évaluer leur profil Tinder. Oui, insulte-moi en allemand, vas-y. Nous allons continuer à distribuer des baffes, sauf qu'aujourd'hui, c'est une jeune femme qui a voulu se prêter au jeu. Alors, je ne peux pas promettre que toutes mes réponses vont lui plaire, mais je vais quand même essayer de lui donner un petit coup de pouce. Souvenez-vous, on reste calme et bienveillant. Allez, je vous montre son profil et on en parle après. Alors, ma petite Kai, il faut qu'on parle. Je n'avais même pas besoin de regarder ton profil pour deviner déjà quel était ton problème. Et toi, ton problème, ça vient pas de Tinder, ça vient de toi. Les femmes n'ont pas de problème avec Tinder. Un profil de femme qui ne marche pas sur Tinder, ça n'existe pas. Rappelle-toi de la poulette. Rappelle-toi de la poulette. Il te suffit de posséder un vagin pour avoir le monde à tes pieds. Et de plus, le tien, il a l'air plutôt pas mal. T'es vraiment une belle salope. Mais comme toutes celles qui en ont un, tu n'as jamais eu à te poser de questions sur la séduction homme-femme. Toi, tu te contentes d'exister et tu reçois des propositions par paquet de 100. Contrairement aux hommes, vous avez la séduction en mode ultra facile. C'est comme le vélo. Si tu retires jamais les petites roues arrière, tu seras toujours nul au vélo. Et les filles, vous êtes nulles pour comprendre les hommes. Sauf que toi, c'est pas des petites roues arrière que tu as. C'est des putains de roues de dragster. Et là, sans doute pour la première fois de ta vie, tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux, et tu te retrouves toute perdue comme un oisillon tombé du nid. Alors que des mecs très bien qui seraient probablement capables de faire un chouette bout de chemin avec toi, tu en as à la pelle, disponible juste sous ton index. Mais comme tu ne sais pas les reconnaître, et forcément tu galères. Et tout ça, ça se voit sur ton profil, qui est affligeant de médiocrité, soit dit en passant. Quelques photos prises à l'arrache avec un putain de filtre beauté Snapchat. Sans déconner, tu crois qu'on n'a pas grillé? Et ta description... C'est exactement la même qu'on voit à longueur de journée sur Tinder. Tout est une copie, d'une copie, d'une copie. La petite citation à la con d'entrée de jeu, et en anglais s'il vous plaît, histoire de faire classe, qui ne veut rien dire. Sans déconner, tu l'avais écrite au blanco sur ta trousse au lycée celle-là ou pas? Tiens, si tu veux, je t'ai fait un petit poster à mettre dans ta chambre. C'est cadeau. Et ne parlons même pas de ta recherche. Impossible de faire plus consensuel et cucul à praloche. Je suis moi tout simplement. Sans déconner, tu as une moitié de phrase que tu consacres à décrire ce que tu recherches sur Tinder, et en plus, tu n'y mets que des putains de synonymes. Fromage blanc sans matière grasse avec du calcium, des vitamines, des protéines pour être bien dans sa tête et dans son corps, y'a rien de meilleur. Ça veut dire quoi, un homme mature, sérieux, ayant passé l'envie de s'amuser? Est-ce que tu t'es seulement posé la question avant de l'écrire? Je suis un homme sérieux et mature. Alors qu'est-ce que tu en dis? On va prendre un café? Allez, écoute, comme t'es sympa, je vais te dévoiler un petit secret sur les hommes. Et je pense que ça profiterait à pas mal de filles. Un homme qui ne recherche que du sexe, ça n'existe pas. Ce truc-là est faux. Il est juste faux. Faux, nul, zéro. Même les plus queutards d'entre nous, on veut tous trouver une petite nana gentille et pas trop conne pour faire un petit bout de chemin ensemble et des mamours l'hiver devant la cheminée. Depuis que Sophie t'a largué, rien ne va plus. Ça, on le veut tous. Si tu ne tombes que sur des mecs qui veulent du cul, c'est simple, c'est parce qu'ils ne veulent que du sexe avec toi. Parce que tu n'es pas au niveau pour autre chose avec eux et que tu vises trop haut. Regarde ton profil. À aucun moment tu ne prends la peine de parler de toi ou de ce que tu as de cool à offrir à un mec. Non, tu te contentes juste de dire ce que tu attends qu'on t'apporte, comme si toi, tu n'avais rien à mériter. Bon écoute, j'ai pas envie qu'on se quitte fâché, alors je vais te donner mon meilleur conseil possible pour la suite. Arrête. Arrête Tinder un moment et prends du recul. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps déjà de vivre un petit peu. Parce que désolé, mais à ton âge, tu ne connais rien de la vie ni aux hommes, c'est évident.
Apprends à te connaître toi et comment tu fonctionnes. Apprends à connaître les hommes. Va t'amuser un petit peu. Et après, tu seras peut-être capable de comprendre un peu mieux comment fonctionne tout ce bordel. Et tu seras aussi probablement mieux capable de savoir quel homme peut te correspondre et comment les reconnaître. Tu sais ce qu'on va faire ? Si tu veux, je t'invite sur notre serveur Discord. On commence à faire venir d'autres femmes pour discuter un peu des problèmes qu'elles rencontrent dans la séduction en ligne. Et puis, qui sait ? Il y aura peut-être un membre du club avec lequel ça fera des étincelles. Sur ce, je te fais une bise, essaye de ne pas trop m'en vouloir, et peut-être à bientôt. Voilà, les analyses de profil, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez que j'analyse le vôtre dans une prochaine vidéo, vous pouvez m'envoyer tout ça sur Twitter ou par mail. Vous m'envoyez des captures propres et complètes de votre profil, ainsi que quelques explications précises sur le problème que vous rencontrez sur Tinder ou sur la séduction en général. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.